Bonjour, bienvenue au lien, en fait aujourd'hui on va parler intelligence artificielle et je vais vous expliquer un peu comment ce petit robot il peut apprendre à résoudre le sudoku tout seul, sans qu'on lui explique les règles. Donc en fait, pour la petite histoire, on pourrait imaginer que ce robot il vient tous les jours au labo en tram, et ce qui est intéressant en tram c'est que tous les jours on a le 20 minutes. Et Nao il aime bien le 20 minutes, alors pas pour la lecture ni pour les photos parce qu'il ne sait pas lire, mais ce qui l'intéresse surtout c'est cette page là la page via le sudoku. Ça il aime bien le sudoku, il aime bien comprendre le sudoku. Alors il regarde le sudoku... Et puis il essaie de comprendre comment ça marche. Et chaque jour, il a une nouvelle grille de saut de coup. Donc il vient un jour, deux jours, il a une nouvelle grille de sudoku, coup, trois jours, quatre jours, cinq jours. Et pendant 48 jours de suite, il va regarder les grilles de saut de coup. Mais le 48e jour, il va avoir compris les règles, tout seul, sans qu'on lui ait expliqué. Et avec un petit crayon, le 49e jour, il va être capable de résoudre le sudoku coup, alors qu'on lui a jamais programmé les choses. Donc comment ça marche C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, à la fois que sur mon ordinateur et pour mon discours. Et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va faire travailler Nao. Nao, est-ce que tu veux prendre ça Pourrais-tu placer le journal dans mes mains, s'il te plaît D'accord. Est-ce que tu peux serrer Super, je te remercie. Je vais essayer okay. de comprendre le sud depuis aujourd'hui. Donc maintenant, on va regarder ce, ce qui, comment ça se passe dans sa tête lorsqu'il analyse une grille et que les différentes grilles qu'on va analyser et comment petit à petit il va déduire les règles en faisant des, de la logique. Donc, l'intelligence artificielle, c'est rien que de la logique. Ça pourrait être aussi des statistiques. Il y a une, autre, il y a une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage la, statistique. Ici, nous, on va faire de l'apprentissage logique. Donc, il suffit de se connecter sur ce deux-coups-démo liam.fr. Et donc, là, on a à peu près ce qui se passe dans la tête du robot. Donc, on a la grille, là, qu'il est en train de regarder. 6, 4, 3, 1, 2, 7, etc. Et ici, on va avoir l'ensemble des relations que je vous ai racontées. Donc, en fait, pour chacune des cases, on peut, donc là je suis sur la case en haut à gauche. Donc la relation elle peut être soit égale, donc c'est en vert, soit différent, soit aucune relation, quand ils vont disparaître. Et ça on l'a pour toutes les cases. Chacune des cases, alors c'est pas très clair au départ, mais chacune des cases elle a là toutes les relations possibles, les 3200 qu'on a dit. Donc on a besoin de faire quelques petits calculs. Donc dans une grille de Sudoku, -de une grille c'est quoi C'est une grille de 9 par 9 de 81 cases. Et les relations que peut avoir une case avec les autres cases, avec la voisine, la suivante, etc., avec toutes les cases possibles, jusqu'au bout, partout. Donc, ça, il y a à peu près, il n'y a pas après, il y a exactement 80 relations possibles pour l'ensemble des 80 cases. Donc, chacune des cases, elle va avoir des relations possibles avec les autres. Donc, ça, ça nous fait en tout euh, 8 fois 1, 8 fois 8, 64, 6480 relations. Alors attention, quand on a fait une relation ici avec la casquette est là, quand on va calculer les relations qui ont entre ces cases-là, on va recalculer la même. Donc il faut diviser par deux, parce que, autrement, on va compter deux fois la même relation. Donc si je divise par deux, ça me fait 3240. Donc on a 3240 relations possibles entre chacune de ces cases. Alors qu'est-ce que ça peut être cette relation Cette relation, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des symboles. Donc en fait, ce n'est pas des chiffres, hein, c'est des symboles. Donc les symboles ils peuvent être soit les mêmes. Donc, l'égalité, c'est exactement les mêmes symboles, les mêmes chiffres. Soit ils sont différents, donc ce pas les mêmes chiffres. Soit en fait il n'y a pas de relation. Et il peut y avoir, et c'est ni égal ni c'est qu'il n'y a pas de corrélation, les variables sont décorrélées. Donc en mathématiques, on dit ensemble vide. Donc on va avoir ces trois types de relations, égales, différent et ensemble vide, qu'on va manipuler tout le temps, fois ces 3240 relations. Donc en fait en tout, on a 7, 9720 relations possibles. Donc c'est ce qu'on va voir sur l'écran. D'ailleurs, on le voit ici, j'ai dit qu'il y avait 9720 relations. Elles sont là. J'ai 3239. Alors là, il y en a déjà mais on a 3240 contraintes de différence, 3240 contraintes d'égalité et 3240 contraintes de pas de relation potentielle. Donc en fait, je vais d'abord vous montrer rapidement ce qui se passe dans son cerveau pendant les 48 grilles pour que vous compreniez bien à quel point il va déduire les règles. Donc au fur et à mesure qu'il fait des déductions, les différents, les potentiels grilles, les potentielles relations en fait, vont disparaître petit à petit. Et à la fin, il ne restera plus que la solution. Alors la solution c'est quoi Vous connaissez un sudoku de c'est-à-dire hein qu'une une case doit être différente de celles qui sont en ligne, doit être différente de celles qui sont en colonne, ou doit être différente de ce qu'il y a dans son carré. Et ça, il l'a déduit pour toutes les cases. C'est-à-dire que si je clique sur n'importe quelle case, il a exactement compris que c'est les lignes, les colonnes et les carrés dans lesquels est la case pour le faire. Et ça, il l'a fait grâce aux 48 grilles que vous avez vu défiler là de suite. Je peux le refaire une deuxième fois pour que ce soit plus lisible. Donc là, je repars de zéro. Il n'a vu aucune grille. Il a ses 9000 relations. Et là, au fur et à mesure, il voit passer les grilles. Donc ça va très vite. Hein. J'ai enregistré déjà les grilles. Il déduit des choses. Et à la fin, au bout de 48 grilles 40, 41, 42, 43, 47, 48, 48. Voilà, il a compris toutes les règles. Alors maintenant, on va, on va essayer d'analyser ça un peu plus au ralenti parce que là, ça va très vite. Donc on va se remettre au début. Première grille, c'est parti. Il a la grille 6, 4, 3, 1, 2, 7, etc. Qu'est-ce qu'il peut déduire Il a les, toutes les relations possibles. Alors, il a travaillé entre la première et la deuxième case. Qu'est-ce qu'on voit On a 6 et 4. 6 et 4, ça veut dire qu'il nous dit là, la contrainte d'égalité a été supprimée entre la case 0 et 1, donc les deux cases qui sont ici, la case 0 et la case 1. En fait, il dit que cette relation d'égalité n'est pas possible. Pourquoi Parce qu'il y a 6 et 4. Donc, on ne peut pas dire que la relation d'égalité existera, vu que c'est des, des valeurs différentes. Donc, il peut enlever cette égalité. Et donc, maintenant, il ne reste plus que la relation ici, différente, parmi les deux relations possibles. Et ça, il va le faire pour toutes les cases. Première case, troisième case, comme elles sont différentes, 6 et 3, il ne va pas pouvoir faire égal. Première case, quatrième case, à nouveau. Et pour chacune des cases, il va les prendre une par une, et comme elles sont toutes différentes, les valeurs, il va supprimer la relation d'égalité. Sauf là où il y a un 6. Là, il y a un 6, là, il y a un 6, il ne peut pas dire que la relation d'égalité n'existe pas, puisque finalement, c'est égal. Donc là, il n'enlève pas l'égal. Par contre, partout où les autres, il va y avoir des valeurs différentes de 6, il va pouvoir supprimer ces relations d'égalité. Alors là, moi je vais lentement, je vous fais un pas un pas à pas, mais lui il va très vite pour le faire. Et une fois qu'il a fait ça, maintenant il le fait sur la deuxième case, là où il y a le 4. Et à nouveau, il résonne pour tous les couples de cases possibles, et il enlève potentiellement les relations d'égalité qui ne sont pas possibles, vu que les valeurs sont différentes, sauf là où il y a des 4. À nouveau, ici, il y a un 4 ici, il y a un 4 là, il y a un 4 ici, il y a un 4 ici. Donc, il, nous, il reste exactement les deux relations possibles, encore là. Et ça, il va le faire pour les 9000 relations possibles, et il va les évaluer une par une pour savoir si elles sont possibles ou si on peut les enlever, on peut déduire qu'elles n'existent pas. Donc là, je vais mettre à la fin de la première grille. Donc là, une fois qu'il a fait toutes les relations possibles, on est dans cet état-là. Alors dans cet état-là, qu'est-ce qui s'est passé Il a nettoyé des 3200 relations possibles, il a déjà éliminé 2900. Pourquoi Parce que globalement, pour chacune des cases, maintenant, il a déduit qu'on ne pouvait pas mettre égal, donc il y a tous les différents qui restent mais plus les égaux. Et réciproquement, comme là il y a 6 et 6, il a pu déduire que la relation de différence n'existe pas, donc la seule relation possible qui peut exister ici, c'est égale. Donc pour chacune des cases, un, un chiffre a 8 autres éléments, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 fois l'égalité potentielle pour cette case. Et ça c'est pour toutes les cases, en fonction de leur valeur, donc là c'est la grille des 4, là, il y a un 4 ici, donc partout où il y a des 4, potentiellement il y a des relations d'égalité. Ça, c'est ce qu'il a fait à la première grille. Le deuxième jour, il va avoir une deuxième grille. Donc là, on change. Là, on avait la grille 6, 4, 3, etc. On passe le deuxième jour. Hop, il a une nouvelle grille. Il a un deuxième deuxième journal. Il est avec son 9, 1, 6, etc. Donc, on va se remettre cette grille-là. Quelle déduction il va faire Donc Cette fois-ci, la déduction qu'il va faire. Alors, il ne va pas redéduire que les choses ne peuvent pas être égales, parce qu'il a déjà dû. Là. Par contre, ici, ça va l'intéresser. Il va nous déduire que, attention, maintenant, le 9 et le 1 sont différents, donc la relation d'égalité n'existe plus. Et tout à l'heure, il avait déjà déduit que la relation de différence n'existait pas puisque c'était déjà la même valeur, c'était 6 et 6. Donc, ce qui fait que maintenant, dans cette case, en degré, on a à la fois vu qu'on pouvait être différent et qu'on pouvait être égal. Donc, c'est ni l'une ni l'autre qui doit être imposer, et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus aucune relation possible. Et ça, il va le faire pour toutes les autres relations possibles. À nouveau, tout à l'heure, on avait exactement les deux mêmes valeurs en haut et en bas. Maintenant, on a des valeurs différentes, donc il peut supprimer l'égalité. Et là, il va à nouveau tester toutes les toutes les polaires possibles. Donc, je mets à la fin l'analyse de la deuxième grille. Qu'est-ce qu'il a pu déduire Je remets ici. Il a déduit, comme je vous ai montré tout à l'heure, que le 6 6 sur la première grille et le 9 1 pouvaient faire disparaître les relations qui avaient entre cette case et la, la première case et celle-ci. Et maintenant, il a fait une autre déduction. Maintenant, il y a 9 et 9 là. 9 et 9, ça veut dire que ici, il a supprimé la relation de différence vu que c'est égal. Et au coup d'avant, en fait, c'était différent donc il avait déjà enlevé la relation d'égalité. Donc, en fait, on a exactement le schéma inverse. Au début, on avait enlevé égal et maintenant, au deuxième grille, on enlève différent. Tout à l'heure, on avait enlevé différent et maintenant, on enlève égal. Donc, en deux grilles, qu'est-ce qui s'est passé On a enlevé les huit relations d'égalité et on a aussi enlevé les huit relations de différence. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 14, 15, 16 relations qui ont disparu. Et on voit qu'en fait, il reste presque plus de relations d'égalité. Alors, toutes n'ont pas disparu, en fait. Si je me mets sur la troisième grille, le troisième jour, il ne reste plus que deux contraintes d'égalité. Ici, la casque est ici n'a pas encore pu déduire, c'est les deux contraintes d'égalité qui restent là, qu'on pouvait faire disparaître ça. Pourquoi Parce que si je me place, donc la case elle est ici, c'est quoi, c'est là où il y a le 9, et le 9 avec le 8. Qu'est-ce qui s'est passé sur le coup précédent Je reviens sur la grille précédente. En fait, ici, il y avait 9 et 9. Et le coup d'avant, il y avait 9 et 9 dans la grille. Et le coup d'avant, il y avait 8 et 8. Donc jamais il a vu la relation différent. Qui peut être invalidé. Il a toujours eu les cases égales. Donc lui, pour l'instant, il croit toujours que ça peut être égal ici. Le égal, il est toujours là. Et trois fois de suite, et là, la, la, enfin, la, la troisième grille met 9 et 8. Donc le coup suivant, hop, là, la relation va disparaître. Alors on voit qu'il reste encore une relation là, dans, son, dans son réseau de, de déduction. Alors elle devrait être par ici, je crois. Voilà, ah, elle est là. Donc là, à nouveau, si je regarde les quatre grilles précédentes, on avait 9 et 9, 7 et 7. 5 et 5, et 4 et 4. Donc on a vraiment les quatre grilles précédentes. On n'a pas eu de chance. Il faut attendre la cinquième grille pour enfin que le, le sudoku résolu nous donne un couple différent et qui puisse faire disparaître cette relation. Et hop, la, la relation disparaît. Et là, il n'y a plus aucune contrainte d'égalité. Alors ça, nous, on le sait. Un hein, sudoku, on sait qu'il n'y a aucune contrainte d'égalité. Ce qui est base, la base des de sudoku, c'est de faire des contraintes de différence. Alors comme je vous disais tout à l'heure, en fait, petit à petit, les contraintes de différence vont disparaître. Parce que à chaque fois qu'on va pouvoir avoir des égalités on va pouvoir faire disparaître ces différences. Donc là, par exemple, si je m'intéresse à ce couple-là, le couple avec la valeur qui est dans le coin, en haut à gauche, et le, celui qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, donc ici, là j'ai 9 et 2, donc il ne peut pas déduire que la relation de différence va disparaître. Par contre, si j'ai un couple identique, là il va pouvoir me retirer cette relation. Alors on va regarder, là justement la grille suivante, c'est 1 et 1. Donc c'est exactement la grille qui m'intéressait. La case ici avec là, maintenant au coup suivant, après analyse de cette grille, il va pouvoir retirer cette relation de différence, puisque là, on a l'égalité. Et là, c'est ce qu'il fait. Et petit à petit, toutes les grilles vont invalider les relations de différence là où elles n'existent pas, grâce au couple. C'est-à-dire que là, ce 7, avec la casquette ici, là, donc là en 8-3, il faudrait trouver un couple identique entre ici et ici au niveau des valeurs. Donc là, au bout de 11 grilles, ça n'existe pas, 12 grilles. 13 grilles, 14 grilles. Et c'est pour ça qu'il faut 48 grilles. Parce qu'en fait, il faut lui donner plein d'exemples jusqu'à temps que. Donc là, on n'a vraiment pas de chance. Hein, 30 grilles de suite et il n'y a jamais un couple identique. Là, 2, 8. 4, 5. 4, 3, 6, 5. Donc vraiment, on n'a pas de chance. Il faut attendre le hasard. 4, 7. 5, 7. 2, 2. Ah voilà. Le 38e jour. 38e jour, une grille solution possède un 2 ici, et un 2 ici. Donc. La relation qui restait, là, de dire potentiellement, je pense que ça va être différent. Donc la relation potentielle qui existait entre cette case-là et cette case-là, de, de différence, va enfin être invalidée. Le 2-2 va, va permettre de, de retirer cette relation. Et donc, on va faire ça. Et donc, il nous reste encore des, petits, des petites grilles. Euh... Et petit à petit, chaque grille nous, nous amène des, des nouvelles relations. Quatre contraintes de différence ont été invalidées. La 41e grille. Une contrainte de différence a été invalidée. Et petit à petit, tout va disparaître. Et lorsqu'on arrive à la 48e grille, ça y est, il n'y a plus rien à déduire, tout a été fait. Et c'est pour ça que je disais que le 48e jour, Nao, il est capable maintenant de comprendre exactement le saut de et de pouvoir résoudre la grille, puisque maintenant qu'il a toutes les règles, quand on va lui donner une grille partielle, il va appliquer les mêmes règles que nous on fait quand on résout la main, quand on s'amuse à résoudre un saut de C'est-à-dire qu'il va voir que comme il y a déjà un 6, on va retirer... Le 6 dans les autres valeurs, et qu'à la fin il ne reste plus que le 7, etc. Donc il va être capable d'utiliser de, de, de le modèle des règles qu'il a là pour résoudre le sudoku. Alors si je fais un petit calcul, combien on devrait avoir de relations Si je me mets sur cette case ici, j'ai les 8 relations sur la ligne qui est ici, j'ai 8 relations sur la colonne, donc 8 et 8, 16, et j'ai les 4 relations qui restent là dans le carré. Donc ça fait 20. 20 fois 81, 81 fois 8, ça fait 1620. Et 1620, comme je ne faut pas que je calcule dans les deux sens, il faut que je divise par 2. 1600 divisé par 2, 810. Et là, il nous dit exactement, j'ai 810 contraintes de différence. Donc là, il a exactement trouvé le modèle. Et grâce à ça, il est capable de résoudre le Sudoku tout seul, puisqu'il a trouvé parfaitement le modèle. On ne fera jamais moins il y a vraiment 810 relations à trouver. Et donc, il a pu toutes les découvrir en 48 grilles, en 48 jours. Donc, pour conclure, euh, qu'est-ce qu'on a vu Finalement, à force de regarder les grilles de Sudoku, on a compris les règles automatiquement, alors qu'on ne nous avait jamais expliqué les règles. Donc ce qui se passe dans sa tête, au fur et à mesure où il voit les différentes grilles, il fait du raisonnement logique et petit à petit, il raffine son raisonnement pour trouver le modèle. Alors ça, ça marche pour le Sudoku, de mais ça aurait pu marcher pour plein d'autres jeux possibles, pour plein d'autres problèmes. L'apprentissage statistique fait qu'il arrive à trouver les modèles qu'on qu ne lui a pas appris, mais qu'il a compris par ses exemples. Donc ça s'appelle les exemples positifs et grâce à ça, il fait l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Donc c'est vraiment un domaine qui est vraiment en expansion en ce moment. Euh, qui, qui marche à la fois par l'autre. Oui, qu'est-ce qu'il y en a là-haut Tu veux nous dire quelque chose J'ai enfin compris les règles. En fait, ça m'a l'air super simple. Bah ben ouais, c'est super simple. Donc si vous avez envie de refaire cette démo chez vous, c'est facile. Vous pouvez soit flasher ce QR code et vous allez retrouver exactement la même chose que je vous ai montré, soit vous connecter sur le, le lien qui est, qui est ici. Attention, il faut une visionneuse flash, hein, c'est-à-dire qu'il faut activer un média player. Alors je tiens à remercier deux personnes. Rémi à gauche, qui a fait une thèse, qui c'est lui qui a fait toute cette déduction logique, etc. Il a fait même beaucoup plus que ça, hein, il a appris au robot à poser des questions. Et Jordan, c'est lui le maître du robot. Il fait actuellement une thèse aussi sur euh, des robots qui aident les gens dans les hôpitaux. En fait. Donc théoriquement, avec cet outil plus la vidéo, vous devrez être capable de refaire cette présentation à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, à vos grands-parents, pour leur expliquer qu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Vous êtes des rois maintenant.